Un nouvel épisode sur Gravel. Voilà, donc dans l'épisode précédent, nous avons battu le Wild Rush Master Ryan Carter. Et donc, nous allons continuer jusqu'on affronte. Vous verrez. Alors, peut-être pas dans le prochain épisode, mais pour l'épisode 7, on fera une petite coupure du Off-Road Master, le mode carrière, où on fera de la course libre. Alors là, c'est un championnat 100% en Alaska. Alors, course checkpoint, on a 3, sinon après, c'est de la contre-la-montre. Et on débute en cross-country catégorie A. Voilà, c'est un nouveau DLC qui vient de sortir là, c'est Brawler Bulldog. Que je tenais à vous montrer. Alors, bon, vu qu'on est sur le territoire américain. On va rouler en voiture à nord-américaine, mais on va prendre cette fois-ci le Hummer. Donc, vous le saurez dans la deuxième partie du making of de Golden Adventures The UFO 2.0. Mais je vous le dis quand même, la cause de l'annulation de la soirée multigaming du 13 mars dernier est due à une panne à l'échelle nationale, et oui, exclusivement en France. Ouais, c'est complètement bizarre, hein. Il n'y a que ceux qui sont en France avec un VPN passant par l'étranger qui n'étaient pas impactés. Sinon, tous ceux qui étaient en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, ils avaient pas les mêmes problèmes que nous. Je trouve ça un peu bizarre. Et puis tiens, j'ai entendu ça de la part d'un de mes amis belges. Comme ça, là, en discutant sur l'Xbox Live en audio. Nous voulions Avec des vous offrir potes. un spectacle digne de ce nom et nous Je l'avons profite pour fait. ouvrir Nous une avons organisé parenthèse. une course Alors, je sais époustouflante pas si c'est ici dans les vrai. montagnes de l'Alaska. Fans de tout terrain qui nous regardez, vous êtes sur Gravel Channel. Mais Restez avec après nous, vous ne le qu'il regretterez soit pas. passé à l'heure d'été, soit de la nuit du 24 au 25 mars, donc c'est dans une dizaine de jours, le changement d'heure. Là pour nous, tous ceux qui sont en Europe, au Japon, Corée du Sud, États-Unis, Canada, Mexique, enfin quoique Canada, États-Unis, ça dépend s'ils changent pas d'heure en même temps que le reste du monde, hein. Enfin le reste du monde de parmi les pays qui changent d'heure. Voilà ce. Va se compliquer la tâche. Et donc apparemment, alors après ce changement d'heure, la Belgique ne changerait plus d'heure. Alors c'est le cas d'une petite île, je crois, au niveau de l'Atlantique là, proche de la Bretagne, qui change pas d'heure du tout. Alors classe super, Lucifer Morning Stock Car a encore frappé. Putain, Lucifer Morning Stock Car is back. Ah là, décidément, là, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est vraiment la merde. Là, la merde complète.
pas d'autre choix. On va prendre comme ça. Là, franchement, vu comment il fallait passer, là c'était impossible. On était à 3-4 de front. Je ne pouvais pas passer. C'est trop étroit. Ah putain l'enfoiré. Ah je me suis retrouvé coincé à cause de ce con. On va faire un bloc pass. Ça va, j'ai déjà utilisé 3 flashbacks. Heureusement que le nombre il est illimité hein. Contrairement à Sébastien Lebrallier-Vaux. Par choc là, je peux vraiment pas dépasser. Au mois d'octobre, quand nous il sera, admettons, à la fin du mois d'octobre, quand il sera de 12h au lieu de 13h. En France, elle sera 13 ans en Belgique. Apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a une petite île au niveau proche de la Bretagne, qui a, en France, ouais, une petite île. Une petite île au niveau de la Bretagne, qui a décidé de ne plus changer d'heure du tout, elle aussi également. Bon, ça, par contre, ça, j'ai entendu cette information dans toutes les stations. Dans toutes les stations de radio que je pouvais capter dans la région. On va parler ça dans les actus nationales. Donc alors je sais pas si parmi vous il y en a qui sont qui sont originaires même de Belgique, si ou alors est-ce qu'il y a parmi enfin, vous alors, des Français reste à vos côtés. Qui vivent en Belgique, sur notre si vous avez cette information, nos infos vous, sur les médias sociaux me la, et me ne la manquez confirmer. Rien de la saison d'Off-Road Masters. Ouh, t'as deux nouvelles voitures, ou alors je crois une voiture et une livrée. Oh. Il me semble que cette voiture, là, il me semble que c'est une livrée. Mais en tout cas, j'ai obtenu une nouvelle voiture et encore une Subaru Impreza. Bah, peut-être qu'on testera tout à l'heure, hein. Peut-être pas. On verra bien. Et on va prendre notre temps, mon coco. Moi, il faut que je termine l'Alaska. On est en speed cross, on est en speed cross. Mini Countryman RX. Beetle RX, Volkswagen, Hyundai Veloster, SR Turbo, hein, quand même on a deux voitures du championnat nord-américain. Ah, Speed Cross Master, si on le bat, on débloquera cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a chez Hyundai? Ouais, pas délivré, pas très alléchante, hein. Par contre, celle-là encore, ça va. La Beetle. Elle joue toujours celle-là, hein. Niveau 30 et puis la mini. Ah, j'ai toujours délivré Cross Country Master. Merde. Ah mais si, je suis bon. Ouais, je vais garder cette livrée là. Hein. La dernière voiture, si ça se trouve, championne du Global Rallycross Championship en catégorie supercar. Ouais, supercar, on va dire la première division de la. De la discipline du rallycross. Voilà les Formule 1 du rallycross, on va dire ça. Voilà, c'est comme la Formule 1, on a Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule 4.
Et ben là, en rallycross, c'est pareil, on a Supercar, RX2. RX là, c'est pareil, hein. De toute façon, ils ont, on a la même. C'est la même appellation, plus ou moins dépendant des championnats. Ensuite, on a le S1600. Et le Touring Car, là c'est encore plus en dessous. Et puis après, dépendant des autres championnats, on a encore des catégories un peu plus en dessous. Je pense entre autres à une Nous catégorie voulions vous offrir Twin un Cup, je crois, spectacle en digne championnat de de ce France de nom et rallycross. nous l'avons fait. Nous avons organisé une course époustouflante ici dans les montagnes de l'Alaska. Fans de tout terrain qui nous regardez, vous êtes sur Gravel Channel. Restez avec nous, vous ne le regretterez pas. Et c'est parti. J'appuie. Ah, j'en ai vu de la vague. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je dis wagon, je fais allusion au Volkswagen. Faire le dire. Hashtag ça me semble logique. Oh putain, là il y avait un arme malheureusement. Juste un petit truc quoi. Bah non, c'était vraiment un arbre. Putain, là on est en pleine zone, on va dire périurbaine. C'est très très particulier. Ça peut être troublant aussi. Donc voilà, des voitures de rallycross, on va dire, plus sur un terrain adapté, on va dire, aux voitures type WRC. Heureusement que le terrain peut être très varié. Heureusement que les checkpoints, ils arrivent à se voir de loin. Donc en parlant de rallycross, donc il y a Peugeot Sport, alors qui reprennent, on va dire, l'équipe entre guillemets Peugeot Janssen. Et l'équipe est composée essentiellement de Sébastien Loeb. On a Jimmy Janssen, puis on a Timmy Janssen, mais Timmy Janssen. Non, ouais, Timmy Janssen qui vit Janssen. Ouais. Et le plus jeune des deux Janssen, il compte pas pour le classement équipe. Et après une légende. Ouais, une légende du DTM, on va dire. Mathias Ekström, qui a Profitons de son la course équipe ensemble et ne spécialement soyez pas trop soutenue tristes. par Offroad Audi qui Masters a est de quitté le retour la DTM. semaine prochaine, toujours et seulement ici sur Gravel Channel. Et on a. Pour évidemment les champions en titre Volkswagen qui ont fusionné l'équipe suédoise officielle et l'équipe de Petter Solberg durant l'intersaison 2016-2017 qui ont vu les deux titres constructeur et pilote avec Johan Kristoffersson. Quand même, ils ont trois titres de champion du monde, rien que dans cette équipe. Deux pour Solberg, un pour Kristoffersson. Enfin,
Oui, 3 en rallycross, si on compte le titre de champion du monde WRC de Solberg, ça fait 4. Hashtag, ça me semble logique. Toute façon, on va rouler en Ford. Et côté autre concurrent français, on a Sébastien Brassigne qui s'aligne avec une autre Peugeot également. Alors soutenu par Oreca et qui ont en plus Grégoire de Moustier. Ils ont récupéré un des anciens pilotes de chez DR Racing. Et on a alors Jérôme Grosset-Jeannin, Guérin Chisserie, qui roule pour une équipe privée, enfin développée par la structure ProDrive, qui ont des nouvelles Renault Mégane Supercar pour le rallycross. Et ouais. Et dans une équipe justement, on va dire, qui roulera en championnat, seront soutenus par cette structure. On aura Jean-Baptiste Dubourg. En mondial, on aura Guerlain Chisserie, Jérôme Grosset-Jeannin, qui a roulé essentiellement championnat d'Europe jusqu'à Nous présent, voulions vous offrir un spectacle en digne catégorie de ce nom supercar. et nous l'avons fait. Nous avons Et organisé une course époustouflante ici dans les montagnes de l'Alaska. Fans de tout terrain qui nous regardez, vous êtes sur Gravel Channel. Restez avec nous, vous ne le regrettez côté gros pilote, un ancien encore du DTM, Timo Scheider, avec le MJP Austria qui avait fait de belles performances, déjà deuxième à Barcelone, enfin on va dire vieillissante Ford Fiesta comparée à la Ford Focus engagée officiellement par l'équipe de Ken Block, Vivian Racing Division, qui me roule plus en mondial désormais. Donc il y a Holzberg Zemeuse qui fait son retour avec justement des forces d'état, on en parlait. Et il y a l'équipe de Peter Solberg, et l'équipe Peter Solberg vont rouler en Hyundai. Ouais, c'est original. Peter Solberg, Marcus Grönholm, pardon. Ouais, l'équipe du champion du monde WRC 2002, Marcus Grönholm. Va donc aligner deux Hyundai. Un choix plutôt assez original. Ah merde! Ah putain, le crash! Le même crash qu'au premier épisode en plein direct. Bon, sachant qu'il y a une panne des serveurs du mixeur à l'échelle nationale il y a à peine 24 heures. J'espérais quand même pas que ça soit mixeur qui est planté, et ben non. C'était bien le jeu. Quand même, ça me semblait bizarre qu'au démarrage, ça ait encore fonctionné du premier coup. J'ai eu aucun bug lors de l'épisode 4. Là, je me dis quand même, à mon avis, j'en aurai un pour l'épisode 5, et ben ça, ouais, je suis pas trompé.
Donc ouais, choix plutôt original pour l'équipe du champion du WRC finlandais. Avec Kujan en plus qui va aligner donc deux Hyundai, dont une pour son fils Niklas Grönholm. Là c'est vraiment un choix vraiment original et audacieux pour l'équipe finlandaise. L'équipe du pilote finlandais. Là, quand même, je commence à bien les apprécier moi ces portions techniques. Je commence à y faire. Là je vous dire là l'arrivée je l'ai vu. Bien aperçu. Même si la retransmission du jour en direct prend fin, Gravel Channel reste à vos côtés. Rendez-vous sur notre site web, consultez nos infos sur les médias. Ah, 037 rallye, nouvelle livrée 120 pour la Bart 124. Alors je sais pas si c'est la récente ou l'ancienne. On verra bien. Après le cross country master et puis ensuite la grande finale. Alors là, la grande finale ça risque d'être du lourd. C'est quand même qu'on a pas mal avancé sur le jeu quand même. C'est extrême, bah tiens, c'est extrême. On a décidément de la chance. On a pas de nouvelle livrée pour la Silica. Bon, il prête toujours pas. Forte focus sans commentaire. La escorte. La focus est dans une autre catégorie. Je taille un petit peu de fatigue. Alors ça c'est la Subaru qui a été champion du monde avec Peter Solberg. La Ford Focus elle est là. Ah quand même, bientôt on aura la Ford Escort, RS Cosworth. Ah oui, la récente on l'a pas encore obtenue, bon c'est la vieille. Allez, juste pour le fun, je vais aller me tester la Subaru Impreza 2003. Et après on va en finir donc entre guillemets avec cette série 100% Alaska. On aura roulé avec 4 voitures différentes dont 2 de marque nord-américaine et 3 ayant et 3 on va dire produits nord-américains la Beetle Rallycross mais très peu en Europe voire pas du tout. Mais là, je vous assure, en World RX, s'il y a une équipe nord-américaine qui débarque pour la manche de Sine, eh bien, il y a des chances qu'on voie la Volkswagen Beetle. J'ai répété le chrono. Cette pluie. Avec la Subaru du champion du monde, Peter Solberg.
un des ennemis jurés de Sébastien Loeb. Elle était en tête durant le rallye du Mexique de cette année pour son retour. Dans la Citroën, faire face à des pilotes comme Sébastien Ogier, Dani Sordo et Chris Meek, et qui a quand même terminé dans le top 5 de ce rallye quand même pour son retour. Pour avoir mené le rallye, c'était... Là, Citroën, ils sont tellement satisfaits qu'ils aimeraient l'avoir pour plus de rallyes. Il fallait y penser avant mes cocos. Je crois que c'est vrai, après le tour de Corse, ils ont le temps hein, jusqu'au rallye de Catalogne. Là je l'ai reconnu ce bout de portion. Oh ah merde, là j'avais pas vu. J'espère que ça va pas me coûter cher. Ah merde, là, il fallait tourner où? Je voyais rien. Vous savez qu'il fallait tourner de ce côté, vous? Attends, je crois une entourloupe là. À mon avis, une entourloupe. Ah non. Là, on m'a déjà fait le coup de fois où je me suis fait entre guillemets damer le pion pour pas grand chose. Cette fois-ci, j'ai préféré être méfiant. D'ailleurs, il y en a une, je suis pas allé le rattraper. Hein. Pas encore. D'ailleurs, c'était l'épisode où j'avais tellement galéré sur une épreuve que je me dis au moins le podium. Bon, alors étape suivante. Course checkpoint en trophy truck. Bah, c'est que du trophy truck. Bon, qu'on fasse l'une ou l'autre, moi ça m'est complètement égal. Je vais faire la Namibie d'abord. On va s'en débarrasser. Voilà, de toute façon, on a toutes les voitures déjà. Ça c'est fait. Tout est-ce qu'on a ouais, niveau 57. Alors Ford. Ah là ça me fait plaisir. Oh carrette. Ouh, Final League. Oh là 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 là. Ça va être du lourd. Je vois aussi le Verado. On a ça. On a celle-ci. Speed Cross Master. Regarde, encore une qu'on va peut-être pouvoir s'en débarrasser. 99 putain. Ça c'est le charter hein, c'est livré. Et on va prendre cette livrée là. Également, voilà, pas de soucis.
Je veux rouler, voilà, tranquille. Peinard. Il y a Et ceux qui viennent donc, on change apprécier la de paix et la corps, de tranquillité continent, des on passe en vacances, mais une Namibie. chose est sûre, pas nous. Fans de tout terrain, bienvenue en Namibie. C'est ici, dans l'un des endroits les plus sauvages de la planète, que Gravel Channel a élu résidence pour l'offre. Et on est parti. Avec un des concurrents. Alors là, il y en a du tir taillot taillot, hein. Ah merde, ah le con. Donc j'ai vu. Alors aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce mercredi, j'ai appris la sortie officielle de la 7e bande dessinée de la nouvelle saison de Michel Vaillant, la suite de Vaillante Rébellion. Michel Vaillant, Macao, voilà, tout simplement, ça se passe plus de 35 ans après le rendez-vous à Macao de la série qui s'est terminée vers 2005, un truc comme ça là. Je parle de l'ancienne, celle où il y a justement la même BD. Qui est tiré du Profitons de la film, course ensemble et ne soyez pas trop réalisé triste. par Luc Off-Road Besson. Masters est de retour la semaine Et prochaine, donc toujours et dans cette seulement nouvelle saison, ici, voilà, sur Gravel Channel. il y a eu il y en a eu 6, dont les deux dernières Renaissance tiré du prix de Paris, c'était en 2016, et la dernière en date qui est sortie en avril 2017, Michel Vaillant Rébellion, donc aux couleurs évidemment des Vaillantes Rébellion, mais sauf que évidemment n'ayant pas n'ayant pas imaginé quand même ce qui pouvait arriver aux 24 heures du Mans de 2017, hashtag ça me semble logique, ils ont du coup pris évidemment, à partir des 24 heures du Mans de 2016. Et donc voilà, sortie prévue pour le mois de novembre de cette année. Je crois, alors oui, dans cette nouvelle série, il y a eu le nom du fils, il y a eu un moment collapsus, ensuite il y a eu liaison dangereuse. Et ensuite, il y a
Et avant Renaissance, Toute Voltage. l'adrénaline de nos courses et tout l'enthousiasme d'un stade bourré à craquer. Quoi de plus excitant? Bienvenue à tous les fans qui nous regardent. Autant Boniface, c'est aspiré du WTCC. C'est tiré du WTCC. À l'époque où Yvan Muller était dominant avec les. Ah putain! Non. L'enfoiré! Ah merde! Attendez, là je savais pas. Là malheureusement je me suis fait troubler là parce que. Je savais pas où il fallait aller. C'est ça l'époque où Yvan Muller dominait avec les Chevrolet Cruze. Alors, après Colapsus, c'est on va dire un peu plus policier quoi. Du style Grand Torino avec Clint Eastwood. Vision dangereuse là, c'est en rallye. Oh! Putain, Lucifer Morningstar a encore frappé. Oh chier! Là, ça me fait penser à Grid. Grid, premier du nom. À Lille hein, par contre, European Rally Championship. Allez Watson, putain t'avances. Brave là. Allez, voilà. Et... Oh putain l'image, la photo finish. Ouais! Quelle course palpitante! Après tant d'années en tant que commentateur, crash, je interdit crash. À me mais qu'est-ce qu'il délire le mec là? Là je lâche un gros lol. Histoire de dire ouais mais tu dis encore n'importe quoi. Hein. Vraiment qu'un matou, hein? Et en vol, dans tes... comme dans tes vidéos geek, moi aussi je sais faire des voix à la con. Et pour prochain Kevin, il a prouvé qu'il était capable de le faire sans montage, sans trucage, rien. Allez, cette fois-ci, on est au Mont Blanc, sur la glace, mon terrain fétiche. Bon, j'espère qu'il propose un temps bien enneigé pour que je leur mette la mière. C'est dommage qu'ils n'ont pas inventé une catégorie pour les Trophy Truck ou Trophy Andros. On aurait fait ça avec les Midget Off-Road, ça aurait été fun. Ouais, je du but une connerie. Mais bon, on n'a pas le droit de rêver quand même. Fans de tout terrain, bienvenue au Mont Blanc. Si vous appréciez la tranquillité des montagnes, préparez-vous à changer et vos voilà, habitudes. Et il neige. On ne peut super. Pas dire que nous nous la coulons douce ici, et la prochaine course est là pour le démontrer. Accrochez-vous bien. Oh,
bien enneigé là. Bien, bien, bien enneigé. Là, ça va être le fou. Ouais, là ça glisse bien là. Oh là, je le remercie. Là j'ai un petit peu fait l'andouille. Voilà, putain que ça glisse. Sur la glace, c'est le paradis. J'adore la conduite sur la glace. Ah, ah, on aurait pu prendre une photo. Là, je sais pas comment. Course palpitante. Après tant d'années en tant que commentateur, c'est encore réussi à me laisser sans voix. Ouais, bon là on arrête hein. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour s'en faire une petite dernière? Ah oui? Ah ouais, on va pouvoir se la faire. Ah ouais, on va pouvoir se la faire, ouais. Eh ben oui, Raoul. Et puis comme ça, après, on termine cet épisode avec ceci. Avant de voir d'autres vidéos. Et bientôt la version remasterisée de Burnout Paradise. Donc j'ai annoncé du coup qu'il y aurait du retard comparé à ce qui était comparé au timing prévu.
Bon, malheureusement, évidemment, c'est des raisons techniques qui nous ont poussé à choisir cette solution. Voilà, par contre, là, franchement, sur un si elle fait à nouveau la même panne qu'à 24 heures, le jour où je propose Burnout Paradise, quand même, ça me ferait un peu chier. Bien merdé avec le mur de pneus là, j'espère que ça va pas me porter préjudice à la fin. Merde, c'est bon. Quand même, le wax sous la pluie là, c'est pas fastoche. Hein. Déjà, dépendant des catégories des voitures, c'est assez difficile sur le sec. Dépendant des jeux aussi. Attends. Attends. Attends, 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 attends. Eh ben, c'est bon, j'ai rien dit. 2 secondes d'avance, tranquillou, peinard, bilou, bilou, bilou. Ah, double effort quand même. Ah, on n'a pas été ridicule, hein? 4 Chevrolet, 2 Toyota et les deux Ford, et les deux Ford en tête. Si ça, c'est pas la classe. Ah, Ford Escort, quoi, soif obtenu! Alléluia! Oh putain, j'ai débloqué la bombasse! Ah ouais, parce que Sonic, là ouais, parce que souvent je donne des surnoms à mes voitures, surtout les jeux de voiture. Et figurez-vous, le surnom que je donnais à ma Ford Escort RS Quasar sur Need for Speed, quand je l'avais, et ben c'était la bombasse. Fallait pas chercher plus loin. Prenez la détermination d'un samouraï et combinez-la aux fulgurances d'un as du volant. Ouh, quel Watanabe! Watanabe, vous n'étiez pas loin derrière. Il est bien américain, japonais, le mec. Et il est aujourd'hui l'un des pilotes les plus rapides du groupe. Mais sous-estimer serait une erreur à ne pas commettre. Je te rassure, mon coco, je ne peux pas sous-estimer, moi. Je vais faire un épisode tranquille, par contre, et un... Et en plus, ça prouve bien que c'est japonais numéro 23. Numéro 23, il y a que des japonais pour les prendre. Non, mauvaise expérience. Avec le numéro 23, c'est Nissan. Ça me plaît pas! Alors, on a Riga en rallycross, San Las Vegas. Oh! San Luis! Oh putain! Oh, il va se faire défoncer! Ouh putain, le plus autiste vous pouvez japper. Attendez le 7ème. Monsieur Watanabe va se prendre une auto chez Soud Americanos. Il va se faire défoncer. C'est mon territoire sur Sébastien Lebevoir. Ralliez-vous. Oh, il n'a pas de chasse. Il n'a pas de chasse. Je vais le défoncer sur mon territoire. Il aurait pas dû m'envoyer là-bas. Et putain, je vais m'économiser sur les deux courses et je vais le faire chier sur la troisième. Oh putain. Il va voir les noises. Bon, bah, quand même, je vais maintenir le suspense, même si là, quand je vois le circuit qu'il me propose, j'ai envie de me la péter. Et d'ailleurs, un petit conseil, regardez les vidéos sur Sébastien Loeb Ralliez-vous. Vous comprendrez pourquoi je dis sur ce circuit, je vais lui mettre la misère. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Même si je suis pas un grand philosophe. Hashtag ça me semble logique. Très bon week-end à vous tous. Très bon visionnage. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. A plus. Ciao.